Yo, c'est Panda Web 3. On se retrouve pour une vidéo découverte sur The Beacon. The Beacon, c'est un jeu, c'est un RPG, donc un jeu Web 3 que j'ai découvert récemment. Et donc c'est RPG avec un univers pixel art. J'aime beaucoup le pixel art. Je trouve ça très sympa. Allez, c'est parti. Donc il y a une marketplace déjà. Alors je connais pas tout, hein. Discover, c'est quoi ça, Discover? Bon, faut connecter la wallet. Je vais pas le faire. Après, sinon, pour vous renseigner, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des, disons, un white paper. Donc, vous pourriez ici lire quelque chose ici. Voilà. Donc là, ils présentent l'univers. Donc c'est un free-to-play. Tiens, il y a une vidéo là. Donc ça se présente comme ça. Donc The Beacon, c'est un free-to-play. Fantasy, action, donc RPG. Le jeu est en développement. Et en fait, il faut donc faire des donjons. Et je crois que les donjons se génèrent de façon. Enfin, il y a un mot pour ça, je l'ai oublié, mais. C'est autogénéré, quoi. C'est différent à chaque fois. Donc, il y a trois modes: single player, PvE, donc. En coop aussi, contre. En PvE aussi. Et aussi un MMO-like. Voilà, il y a des donjons, il y a des tavernes, quiz tavernes. Les joueurs peuvent aussi gagner des rewards, des récompenses, en répondant à des questions qui sont dans le. Des questions qui concernent l'univers The Beacon. On peut customiser aussi ces maisons. Ok, donc en fait, dans la marketplace qu'on a vue, je crois que c'était des maisons en fait. Donc on a aussi des pets, donc des petits animaux qui peuvent nous suivre dans l'aventure. Il y a aussi des personnages. Personnages différents, des avatars différents. Ok. Les contrôles sont donc au clavier. Clavier souris, je passe rapidement. Voilà, et puis après, là, ils vous expliquent ce qu'ils ont prévu pour cette année. Ok, allez, sans plus attendre, on va jouer à la démo. Donc, c'est un jeu qui se joue sur navigateur. Allez, c'est parti. Alors donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent à disposition cette démo qui consiste à faire un donjon. Blablabla. Et voilà, merci. Tac, tac. Alors, allez, let's go.
C'est les soldats. Alors, je vais être bref avec toi. Nous sommes en ce moment en train d'investiguer ce donjon et nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. La tâche est simple. Je pense que tu pourras le faire. Tu dois rentrer dans le donjon. Et te démerder. Donc le donjon est changeant à l'intérieur. Les murs bougent et le sol s'effondre. Parce qu'il y a beaucoup d'Umbra. L'intensité d'Umbra est très très haute. Alors ça, je sais pas ce que c'est l'Umbra. Donc ceci dit, quoi que tu trouves. Job. Bon, bref, let's go. Ah, il y a du son. Enfin, il y a une musique, quoi. Attendez, je vais couper Lofi. Tac. Ça rame un peu. Left click to attack. Donc là, il y a du loot. Jusque-là, ça va. On peut rester appuyé. Ça casse quand même. On peut charger aussi une attaque. Avec clic droit. Ah, quand on marche dessus, ça casse. Alors les squelettes peuvent s'approcher. D'accord, et te tuer. C'est marrant. Oula! Waouh! Putain, mais ils m'ont infligé beaucoup de dégâts. Hein. Ah, désolé, j'ai cassé. J'ai cassé le pot. Hello! Ah, mais on peut casser ça aussi? Je sais pas. Ah, avec la souris, en fait, on peut choisir l'endroit où on casse les choses. D'accord. Ah. Putain! Ouais, ils ont beaucoup de points de vie, eux. Pam, pam. Alors, est-ce que je peux passer ou pas? Comment je fais pour passer? Aïe! 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 Wow! Je suis passé! Je vais mourir, non? Wow! Il est énervé, lui!
Aïe, mourir. Je voudrais de la vie, s'il vous plaît. Possible. C'est où la vie? Je sens qu'il y a un truc qui va se passer là. Merde, merde, merde. Waouh, c'est vénère ça. Oula. Ah, je suis mort. On recommence tout là. Merde. Bon, je vais tracer. Waouh, one shot. Pou, one shot. One shot. Ouais, c'est puissant. Ça a pas cassé. Ah, il y en a un autre. Aïe. Ah, ah oui. Oh. Il y a un passage là, non? Est-ce qu'il y a un passage? Non, il n'y a pas de passage. Pam 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 pam. Comment je fais pour passer? Est-ce qu'il faut que j'utilise mon bouclier ou pas? Aïe. 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 Aïe, ça pique. Merde. Aïe, aïe. Merde. Putain. Il n'y a pas de passage. C'est quoi, je vais rush? Allez, vas-y, je vais rush. Putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, putain. Quoi, il faut les buter? Je peux pas les buter. Ils sont trop forts. Ok. C'est pas un peu trop dur là? Waouh, one shot. C'est un peu trop dur la démo là. En plus, on spawn au début quand on meurt. Ouais, ça va. Alors ça, je comprends pas comment est-ce que je peux éviter de me prendre des points de vie. Alors, je comprends pas. C'est fait exprès, non, c'est fait exprès, c'est pas possible. Je peux pas les éviter. Attends, dash. Ah, je peux faire ça aussi. Ah, d'accord. Si tu fais espace, tu dash comme ça. Ok. Ah. Ah oui, d'accord. D'accord. Aïe. Ah ouais, c'est puissant.
Putain, mais il y en a partout. Ah, je suis tué. Ah. Oh yeah. Ça va. On va avancer tout doucement. Pourquoi il n'y a rien dans ces coffres? Alors. Ouais, il y a un trou là. Non, il n'y a rien. Ouais. Comment je fais pour passer? Oh putain! Au secours! Putain, j'ai eu peur. J'ai que. Oui. Ah, mais il est trop fort! Hop là! Qui c'est qui ment? Ça va, ouais! Ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Waouh, j'y suis arrivé. Ouf. Que je peux faire une brochette, ah oui, je peux faire une brochette aussi. Ça va. Waouh. Tête. Si je comprends bien, on n'a qu'une vie dans un donjon. Donc, ça rigole pas. Merde. Bon, ça tape au travers les murs, ça va. Pour une démo, ça rigole pas. Voilà, ça passe. Merde. Allez, au secours. J'aimerais bien avoir des trucs lootés là, ça serait bien. Je sens le traquenard aussi. Ah merde, c'est le boss. Putain, 3 kills. Non. Allez, encore un. Oui. Ah oui. Putain, c'est chaud. Mais c'est le boss. Mais c'est trop chaud. Ouais, mais c'est trop chaud. Non, c'est trop chaud là. S'il te plaît, quoi. Non, c'est... Ah, vas-y. Non, c'est trop dur là, les gars.
Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Ah, mais c'est... Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On fait quand même respawn ici. Ça va, c'est pas des dégueulasses. Ouais, c'est chaud. Ouais, mais c'est chaud. Oh my god. Faut pas être, je te jure, il faut vraiment pas être fatigué pour jouer là. Pourtant, c'était bien chill au début là. Moi, j'étais content. Ah, c'est dur. Avec mon pauvre bâton là. Putain, c'est dur. Oh, c'est dur. Eh ouais, mais je peux pas. Je peux même pas esquiver. C'est trop dur. Bon, ça me saoule. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder là? Alors, c'est sur Arbitrum. Hein. Pour info, c'est sur le réseau Arbitrum. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alpha Q1 2024. Nous estimons que les premières itérations ont changé
Donc il y a un Discord, bien sûr. Il y a un Discord. Je regarde s'il y a des choses intéressantes à dire. Alors, on peut avoir deux rôles, les settlers. En gros, c'est des gens qui ont acheté les premiers NFT, les premiers persos. Et les blessed. Qui ont... Ah ouais, les blessed, ce sont les gens qui ont des pets de génération 0. Et sur Discord, on peut vérifier nos assets. Mais j'aimerais bien savoir. Pour ça, il faudrait aller sur une marketplace. La marketplace, je crois que je l'ai vue tout à l'heure. Qu'est-ce que tu caractère ? Ah ben voilà. Le prix a baissé sur les 30 derniers jours. Donc on a 19 600 personnes propriétaires. Il y a 445 persos qui sont listés. 38 Magic. Voir. Pixel art. Donc le perso, le floor price, il est, alors je tourne cette vidéo, il est à 47 dollars perso. Le truc, c'est que est-ce qu'on peut voir des choses intéressantes à part ça? Qu'est-ce qu'on sait sur ce perso ? J'essaie de trouver des infos sur le projet, mais... Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est des rooms. Ah non, c'est un profil. Ah ouais, il a tout ça dans son inventaire. Waouh, sérieux. Mais il a plein de trucs, lui. Waouh. Et ça, là, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Mais non. Mais il a plein de pets. Waouh. Énorme. C'est vu tout ce qu'il a. Mais là, je pense qu'en fait, il a dû se passer. Je pense qu'il a dû y avoir. Il a dû se passer un event et les gens, ils ont dû farmer des trucs là. Parce qu'a priori. C'est la démo, mais est-ce que si on prend un NFT, est-ce qu'on peut jouer au jeu ou pas? Est-ce qu'on a accès? Peut-être. Maybe. Alors, il faudrait peut-être que je retourne dans l'explication. Play demo. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Peut-être le Twitter.
peut-être sur le Twitter. Si je tape The Beacon, est-ce qu'on trouve des infos ou pas? Donc c'est ça. Donc le 31 janvier. Ok. Ah oui, ça c'est une borne arcade. C'est sympa. J'ai bien aimé. Ensuite, ça fait bien jeu rétro. Arbitrum, écosystème, ok, ça on a compris. Le 27 février. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah, il y a l'app. Ouais, mais ça, c'est très dur. Donc, le 20 février, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas grand-chose, hein. Il a dû se passer des trucs là, mais Friday. Où est-il? Si, elle a joué là, par exemple. Pour regarder un petit peu. A priori, il y a un chrono en haut à droite. Ok. Ensuite, j'aimerais bien voir si à un moment donné, ils ont ouvert le jeu ou pas. Ça, c'est la démo que je viens de faire. Showcase, il n'y a que des showcase, mais est-ce qu'on peut y jouer là? C'est très dur, The Beacon. D'accord. Ça s'amuse. Alors, 3 Days Event, Boss Layer, Official Sponsor. Donc, ils organisent. Join the Discord. Alors, démo mode. Alors, déjà, le 1er février, il y avait la démo aussi. Enfin, la démo était live alors, a priori. C'est là, je... Vous voyez, toutes ces recherches-là, il faut les faire. Je vous conseille de les faire aussi, de votre côté. Donc là, ils avaient prévu le PVP, mais nanana, finalement, ils vont pas le faire pour le moment. Ah, en PVP, mais c'est la misère. T'imagines en PVP? Oh, un PVP, quoi, laisse tomber. Après, j'aime bien le... Voilà, le... Le design, la patte graphique, tout ça, j'aime bien. Plus de 40 000 caractères. Donc, le projet, ça fait depuis quelle année qu'ils sont? Depuis 2022, donc ça fait 2 ans déjà. Mais là, c'est pareil. C'est quand il y a des projets comme ça, là, je me dis, mais les gars, vous avez fait quoi en 2 ans? Qu'est-ce que vous avez fait en 2 ans? Vous êtes toujours à la démo? À moins que je me trompe, mais il y a peut-être eu déjà des choses de faites. Je vois des joueurs qui ont déjà looté des choses. Mais
en 2 ans quand même. Soon. Donc je sais pas. Peut-être que certains, dites-moi dans le commentaire si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Si vous voyez le replay, dites-moi si vous avez déjà joué à ce jeu, si vous avez déjà farmé des choses. Parce que là, je vois pas. Attends, là, si, peut-être. Alors, en un an, qu'est-ce qui s'est passé? 250 000 comptes créés. 33% des gens ont dépensé des sous dessus. 44 000 caractères, enfin, perso qui ont été fermés. C'est lui, Nicolas. T'es sur Oniland? Oniland, je connais pas. T'as jamais joué à ce jeu, à The Beacon? C'est Unique Holder, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Mais là, en fait, là, il parle de vente de NFT, mais qu'est-ce que concrètement, là, le jeu, là, ils sont, enfin, on peut y jouer ou pas? À part la démo. C'est bizarre. Là, il y a du gameplay. Il y a du son. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre jeu, ça. Ah, The Beacon, oui, ils sont là. Ah oui, d'accord. Ok, c'est une sorte de contest. Depuis un mois sur Oniland. Ok. Et Oniland, ça ressemble à ça? Ça ressemble à The Beacon? Oniland, ça me parle pas, Oniland. C'est avec des... Ah est-ce que... je crois qu'ils ont fait une interview avec... Avec Axie, le gars qui jouait sur Axie, qui a une chaîne là. Je crois que eux, ils ont fait une interview avec lui. Si je me trompe pas. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. C'est un jeu. Ouais, d'accord, ok. C'est un jeu développé par des Français. Si je me trompe pas. Et alors, ça en est où? Quel est ton avis dessus? Là-dessus? Ok, en free to play. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Je pourrais le tester aussi. Donc revenons à The Beacon. C'est très bizarre. Hein, ils ont eu. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a beaucoup d'images, mais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans, quoi? Pourtant, il y a. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a quand même du contenu ici. En tout cas, j'ai l'impression que le gameplay se limite à clic gauche, clic droit, looter, et puis voilà. C'est quand même pas évident comme jeu parce que faut être bon en réflexe. Ok, bah, je sais pas ce que ça représente cet AB. J'irai voir ça. Tu fais partie du projet, toi? Ah si, si, si. Alors, le 15 décembre, ils ont ouvert des... Ah, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'ils ouvrent des donjons de temps en temps pour aller looter à l'intérieur. Ok. Ok, ok. Bon, ben bah, écoutez, on a fait un peu le tour. Donc, The Beacon. Quel est mon avis? Je suis un peu... Je sais pas, là, je suis un peu dubitatif parce que
En 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que si on prend un NFT, on a accès au jeu. C'est possible. Si je connecte ma wallet avec un NFT, peut-être que je vais pouvoir accéder au jeu. Et j'espère me tromper. Connect wallet et genre play, tu vois. Parce que là, il y a play démo. Donc voilà. Bon, bah, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je testerai Uniland. Merci Nico pour ton partage. Et je mets ça sur ma to-do list. Voilà. jeu mobile avec NFT, tu as Heroes of Mavia, si tu veux. J'ai joué tout à l'heure. Ça, tu peux. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Demain, il y a des chances que je stream. Je vous dirai ça sur Twitter. Je vous annoncerai ça. Ah, tu l'as déjà. Bon, bah, c'est bien. Mais j'en chercherai. J'essaie d'en trouver d'autres. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, passez une bonne soirée. Je vous dis à demain pour d'autres aventures, d'autres jeux à découvrir. Bonne soirée à tous. Salut Nico. Et à bientôt. Merci Nico. Merci.